communauté. Notre président Philippe Lagarde est absent du département en ce moment, donc il m'a demandé de représenter, de dire juste quelques mots pour cette occasion de pose de passerelle. Donc je rappelle juste que ce projet de véloroute voie verte qui a été lancé par la communauté des communes Vallée de l'Homme s'inscrit dans une démarche, dans la démarche de la mobilité, et ici, sur ce projet en particulier, la démarche à mobilité douce. Donc le projet initial, c'est de Saint-Chamassy, la limite de notre communauté au sud, jusqu'à Les Élis, sur 22 km. Et la suite, jusqu'à Aubas, et en cours d'instruction, le projet commence à avancer, prend quelques formes. Et donc, comme ça, de ce fait, ça nous permettra, au nord, de relier la Tour Vélo, qui est un itinéraire qui traverse la Dordogne, qui s'en va jusqu'à Charente-Maritime. Et au sud, ça nous permettra de rejoindre la véloroute voie verte, qui est baptisée V91, et qui longera la vallée de la Dordogne depuis Souillac, en descendant jusque sur le Bordelais. Donc, la partie bordelaise, en montant sur Bergerac, est quasiment réalisée. Au-dessus de Bergerac, quelques tronçons sont aménagés. Reste la partie entre Souillac et la partie Bergerac à terminer. Donc, je rappelle juste que le marché de travaux a été passé en fin d'année 2021, que les travaux ont débuté au printemps 2022 de la Véloroute. À ce jour, la quasi-totalité est réalisée. Les portions sont déjà ouvertes, notamment sur le Bugue et les Aisies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est là, c'est pour cette pose de passerelle qui va nous permettre de passer de la rive droite vers la rive gauche. Un peu plus en aval, il y avait une situation topographique avec la route départementale qui ne permettait pas de faire autrement, de faire passer la véloroute verte en rive gauche depuis le départ. Donc, cette passerelle va nous permettre donc de finaliser globalement ce tronçon. Il nous reste un petit tronçon aussi sur du côté du domaine de la Vitrolle à finaliser. La passerelle à l'origine devait être mise en route fin octobre, mais on a quelques petits soucis techniques par rapport à la rivière et aux berges. Et donc il a fallu pour relancer quelques consultations. Donc on ne sait pas si d'ici la fin de l'année, la totalité des travaux nécessaires à l'ouverture de cette passerelle pourront être réalisés. Donc je voudrais aussi remercier, l'occasion de remercier l'ensemble des bureaux d'études et de l'architecte qui a travaillé sur ce dossier. Voilà, je vais chercher. Qui ont fait un grand travail, parce que on ne crée pas une véloroute verte avec une passerelle de cette importance sans avoir, on est quand même dans le principe, dans les visères, on est chez l'architecte des bâtiments de France, etc. Donc ça veut dire que les institutions, c'est-à-dire les services de l'État, ont dû être consultés et chacun a mis ses résultats. Donc cette passerelle, moi, je ne rentrerai pas dans le détail puisque l'entreprise est là à côté de moi et le fera nettement mieux que moi. Je voudrais saluer un nouveau périgourdin qui est parmi nous, qui est le fondateur de l'entreprise Massendi et qui a quitté l'est de la France pour venir respirer le bon air du Périgord. Voilà. Donc, bienvenue en Périgord. Comme ça, vous pourrez voir si effectivement la passerelle. Et si on a des choses à dire, on sait à qui s'adresser. Saint-Rabier, c'est pas très loin. Donc, voilà. La passerelle est située à un certain niveau par rapport au niveau de l'eau, puisqu'il a fallu prendre en compte le plan de prévention des risques d'inondation, comme partout, et il a fallu prendre le plénissimum pour tenir compte de l'altitude de la passerelle. Donc maintenant,
on va assister à la mise en place et je pense que une fois qu'on aura l'esprit libéré sur cette partie, on va pouvoir entièrement se consacrer à la partie de la Vélo-Voie Verte des Aisies jusqu'à Aubas. Et là aussi, quand on connaît la topographie des lieux, c'est pas une petite affaire, c'est pire et fort justice. Voilà, donc je remercie une dernière fois tout le monde, les entreprises qui ont fait du boulot, qui ont essayé à peu près de passer dans le calendrier qui avait été fixé. Donc je rappelle que au global, le projet de la Vélo-Voie Verte, c'est 4 200 000 euros hors taxe, et que la passerelle, elle toute seule, c'est 2 100 000 hors taxe. Ce projet est financé par l'Europe à 78%, l'État, la région et le département. Donc voilà, maintenant je vais passer la parole à l'entreprise, Julie, qui va nous expliquer un peu tout ce qui est technique, comment ça va se passer. Pour présenter un peu le projet, on a répondu en groupement, mais j'avais dit qu'il s'est occupé de toute la section métallique. Et nous, qui sommes de Valérian, on a fait le terrassement et tout les appuis des eaux. Donc, c'est un chantier qui va durer un an, qui est encore terminé. On commence en octobre. Et donc, du coup, on a au niveau phasage, pour vous donner un peu de vue technique, c'est la structure métallique à la colline. Donc on est arrivé, on a fait des terrassements, et donc après pour les appuis béton, on est venu forer dans le sol pour aller fonder les appuis en profondeur. On a fait le micro-peu, en moyenne 8 mètres de profondeur. Par-dessus, on est venu du coup couler soit des piles, donc c'est les éléments arrondis là, soit la culée qui est la fin de la rampe de la passerelle. Donc voilà, et donc les appuis béton là, c'est les supports en fait de la structure métallique, les piles de béton qui sont sur les piles et les piles. Donc après, pour vous donner juste quelques chiffres, on a coulé environ 200 mètres cubes de béton, on avait environ 250 mètres linéaires de micro-queue, et puis on a fait au niveau aménagement, terrassement des appuis, 4000 mètres cubes de débec. Voilà. Donc voilà, et puis avant de laisser la parole à Viry, je tenais à remercier aussi tous les intervenants du projet, donc à commencer par la Vallée d'Aume pour leur confiance, les communes, les riverains qui, pour leur patience pendant les travaux, et puis nos confrères pour la réalisation des travaux qui n'est pas terminée, mais bientôt. Ok, bon, moi c'est Kenny Germain, donc société Viry. Cette société a été créée par M. Viry en 1965. Aujourd'hui, on fait partie d'un groupe. La société a été cédée par Bernard Viry en 2007 à Oustraya. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est ouvrage architectural exceptionnel. On a d'ailleurs une certification ouvrage métallique de technologie exceptionnelle. Tout ce qui est de cet ouvrage-là, donc c'est un ouvrage qu'on a fabriqué en nos ateliers dans les Vosges. Donc on a fabriqué en trois tronçons de 25 mètres. On a ensuite assemblé donc de l'autre côté sur la berge rive droite. On a ensuite assemblé et soudé. Donc elle a été soudée sur place, repeinte ici aussi également sur place au niveau de tout ce qui est grande soudure. Ce qu'il faut savoir, donc c'est une passerelle qui fait 70 mètres de long, travée unique, elle fait 40 tonnes, elle fera 60 tonnes quand elle sera revêtue de son platelage et des garde-corps. Le traitement anti-corrosion, donc c'est de la peinture, c'est un système complet peinture, donc pour le platelage, les garde-corps et la passerelle. On ne les voit pas encore aujourd'hui, donc pour finir sur la passerelle, donc elle sera levée donc avec une grue, bon, voilà, c'est assez exceptionnel, c'est une grue de 150 tonnes. Donc il faut savoir que voilà, elle va lever 40 tonnes à 52 mètres. Donc, voilà, c'est quand même pas des levages qui sont courants. Par la suite, donc il va y avoir aussi sur la suite de l'ouvrage, on va pouvoir accéder de cette passerelle. Il faut savoir qu'il y a deux rangs,
deux rampes courbes, une de 25 mètres sur la rive gauche, une de 30 mètres sur la rive droite. La première va être livrée donc demain au début d'après-midi, elle sera livrée donc pour ce côté ici là, de manière à être assemblée et posée jeudi prochain. Donc voilà, de manière à ce qu'on puisse pouvoir accéder à la passerelle. Et la rive droite sera posée courant du mois d'août. Voilà, donc c'est comme je l'ai dit, donc à gauche on est sur 25 mètres et à droite 30 mètres. Donc là, c'est un peu près ce que j'ai à dire sur l'ouvrage. Si au niveau des rampes, globalement les rampes, on est à peu près à 10 tonnes de chaque côté des rampes. Et les rampes, elles sont constituées donc de deux travées sur les deux extrémités, c'est deux travées d'escalier. Et au centre, il y a une rampe métallique revêtue d'une résine, tout comme la passerelle le sera, pour tout ce qui est accès vélo. Voilà. Comme le disait Stanislas, on tient à tous vous remercier pour votre confiance et que le spectacle démarre. Merci pour le boulot. Oh, je te cache là. Ouais, bonne journée. Je vais te donner à l'eau, mon voirier. Non, mais... Le toit. Ah, mais si tu restes à l'ombre, je la prends. Tant que c'est l'ombre, je la prends. Oui, mais si tu restes à l'ombre, je te la ramènerai quand ça ira mal. Non, mais c'est terrible, ça, les hommes. Oui, c'est que j'ai...
J'imagine qu'il faut occuper pour avoir ce qu'il y a. Il y a une isolée, il y a aussi le grand. Ça marche. Alors, à 19 ans, il y a des Et quand vous êtes dit, il y a des restes.
Il avait comme ça là. Oui, mais de quoi de quoi ça Il veut changer parce que les communes Oui, parce que ma fille, quand elle va, elle y allait aux vacances, tu sais, rien qu'avec la petite, elle a dit à toutes les deux, ça va les mettre dans le coup en train, tout ça, les petits, voilà. Mais voilà, c'est une question. Il y a une ligne en voiture depuis 7 heures. Moi, je suis étonnée parce que c'est un bout là-bas. Moi, j'ai 1 minute. Je ne sais pas si vous avez du champ.
Bloqué. Est-ce que avant que ça prenne là, le centre-ville et que ça ben avant là, vraiment parce que on est mais bon c'est bon. Et alors quand on a des minutes que dans la c'est ça alors elle dort un peu souvent non. Voilà. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
On ne parle beaucoup de moi. Vous pouvez le rappeler pour nous confirmer. Quand eux ça baisse, l'autre côté. C'est qu'il a ce bon filet. Ça va s'enfoncer juste ça. Thank you.
Oui, parce que j'ai la chance. 5 minutes. C'est pas fini. Je me passe là-dessus. Pourquoi c'est pas fini? Thank you.
Allez.